Alors que l'étau se resserre autour de Bastien, ce dernier pourrait ne pas être à l'origine de la disparition de sa femme Élodie. Découvrez ce que vous attend dans les prochains épisodes de Plus belle la vie. Attention, cet article contient de nombreux spoilers sur les prochains épisodes de Plus belle la vie. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Il y a quelques semaines, une nouvelle famille a fait une arrivée remarquée dans Plus belle la vie. Les Castel ont en effet décidé de poser leurs valises au Mistral et de racheter le Céleste qui a brûlé suite au blackout. Bastien, le père de famille, est cependant très vite, tombé sous le charme de Luna, son ancien amour. Les deux ont alors commencé une relation amoureuse, ce qui n'a pas plu à Élodie, sa femme. Mais peu de temps après, cette dernière avait disparu mystérieusement, faisant de Bastien le suspect numéro 1 aux yeux de la police. Mais, selon les informations de Stars Actu, il semblerait qu'Élodie soit toujours belle et bien vivante. Dans les prochaines semaines, Bastien, persuadé qu'elle est morte, va organiser une cérémonie d'adieu et annoncer son décès à la presse. Nous allons alors découvrir qu'Élodie est toujours en vie et qu'elle a été enlevée. La jeune femme a en effet entendu son interview et est parvenue à s'échapper pour rejoindre son mari et lui expliquer les raisons de son kidnapping orchestré par Herrera. Elle s'est laissée entraîner dans un trafic de drogue qui la dépasse totalement. Mais elle ne peut cependant pas rester longtemps auprès de son mari. Elle doit en effet regagner au plus vite la villa de Herrera si elle ne veut pas qu'il sache qu'elle a réussi à s'enfuir. Par la suite, Bastien raconte tout à Luna, qui s'inquiète du futur de sa relation avec lui. Il propose également à Bauer une alliance afin de capturer Carillo et libérer par la même occasion Élodie, ce qu'il accepte. Le policier découvre alors qu'un avion privé en provenance de Bogota avec à son bord une équipe de cyclisme sponsorisée par Carillo va atterrir à Marseille. C'est le moment d'agir. Alors que la fête pour l'inauguration du nouveau Céleste bat son plein, Bastien et Luna s'éclipsent pour aider Bauer, qui a un plan audacieux et dangereux. Avant de donner l'assaut sur la villa Carillo, les amoureux doivent faire diversion en se faisant braquer par Herrera. Le plan fonctionne et ce dernier se fait arrêter par la police. De son côté, Carillo se fait aussi passer les Élodie, enfin libre, tombe dans les bras de Bastien. Quel sera l'avenir du couple Luna, Bastien maintenant qu'Élodie est revenue? Vont-ils rester au Mistral pour s'occuper de l'hôtel? Réponse dans les prochains épisodes de Plus belle.